Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Alors, on va retourner sur Kadara, quoique j'ai encore un truc à scanner ici qui est une mine. Donc c'est probablement la mine où on a la mission pour la sœur de Vetra. Donc on ira probablement tout à l'heure, enfin plus tard. Plus tard, pas tout de suite, pas tout de suite. On a plein de choses à faire. Déjà, faudrait qu'on en finisse un peu avec Kadara. En orbite autour de Kadara. Donc, on va aller finir cette histoire de justice expéditive. Bon, donc déjà, on va débarquer, hein, pas le choix, hein. Pas le choix, après s'être fait extraire. Et du coup, on retourne. On est obligé à nouveau de se reposer. Voilà. Donc on a mis. On avait activé le caveau, on avait activé pas mal de choses. Donc on a ici un certain Colt Dalton qui veut nous parler. Cora. Vous gardez le tempête? Non, le nomade. Il n'est pas passé inaperçu quand on l'a débarqué, et il est plus facile à transporter. Je me suis dit que c'était plus prudent. Pour le moment, il n'y a eu que 3 tentatives de vol et une offre d'achat. Oh la vache! Combien? À combien s'est élevée l'offre? C'est juste pour connaître la valeur de mon véhicule. On a abandonné les négociations quand il m'a demandé si j'étais livré avec la voiture. Ah oui. Bizarre, il n'a pas aimé que je pointe mon arme entre ses deux yeux. Oui, non, non, j'imagine. J'imagine, je le comprends. Ou une station de voyage instantanée. C'est quoi ça? Une quête? Une quéquette? On aurait une quéquette quelque part par là. Bonjour, Hey, vous deux, remettez-vous au boulot. Quoi? Je travaille pas pour toi, moi. J'en déduis que ce bijou est à vous. Le tempête? Totalement. Ouais, il est à moi. Sacré vaisseau, on voit passer Ouais, tous hein. les jours. Non. Colt Dalton. Responsable des quais de Kadara. Sloane m'a Cool. demandé de veiller à ce que personne ne vous importune. C'est trop aimable. Oh, c'est trop aimable de Surtout sa part. inhabituel. Vous devez être important. Ouais, assez, ouais. Les queues sont dangereux? On est en sécurité ici. La sécurité est une denrée comme une autre sur Kadara. Ça se négocie, quoi. Les armes à feu sont interdites dans le port. Mais un meurtre peut prendre de nombreuses formes. Oui, il n'y a pas besoin d'une arme à feu pour tuer un mec, hein. Vivre hors de la montagne. Un vrai no man's land. D'accord. Et vous avez beaucoup du boulot? Vous voyez passer beaucoup de monde à Kadara. Depuis qu'on est arrivé, ça n'arrête pas. Kadara est l'une des rares planètes d'Eleus qui bénéficie d'une économie stable. Entre les Angara et les exilés, les cargaisons qui transitent par ce port viennent des quatre coins du secteur. Ok, merci. Tout ça, c'est des bonnes infos. Ah, attendez, je fais. Voilà, redresser un peu le micro parce que je l'avais baissé entre deux épisodes parce que j'ai été faire des trucs. Notamment, j'ai changé d'armure. Merci pour les informations. Je vous montrerai ça. Bon, je retourne. Je vous montrerai ça. J'ai fait une armure qui pète. Salut les larbins! Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mon jetpack. Allez, Grayson, Wesler. Bonjour. Est-ce que ça va? Quoi? Oh ouais, pas de problème. Grayson. Parfois, ça aide de parler, vous vous tu sais. Peut-être mieux si vous videz votre sac. Ça m'étonnerait, mais bon. Ça vaut le coup d'essayer. Moi, bah oui, je suis qu'un pionnier. Kaitus m'a chargé de collecter les frais de protection. Ça paraissait facile. Mais on a parlé à tellement de gens. Je me suis embrouillé dans les noms et j'ai expulsé une fille qui avait payé ses frais. Elle n'a pas Ah. protesté? Bien sûr que si, mais ils protestent tous. On les écoute pas vraiment. Sérieusement? Donc vous l'avez expulsé comme ça, sans vous poser de questions? Pas la peine de me faire culpabiliser encore plus. Je voulais essayer de la retrouver. Mais je peux pas prendre le risque que Kaitus découvre que je me suis planté. J'ai besoin de ce boulot pour nourrir mon petit frère. Notre mère est toujours en stase sur le Nexus.
Il a personne d'autre. C'est ça qu'il y a de bien, c'est que les mecs, vous vous êtes rebellés, vous vous êtes barrés, mais sans penser à votre famille qui était toujours en stase sur le Nexus, quoi. Ok, bah je vais m'en charger. Je vais la chercher. Dites-moi juste son nom et donnez-moi des indices sur l'endroit où elle pourrait être. Romy Tamayo. Elle a dû aller dans les bas-fonds pour que son dossier soit traité. Après ça, aucune idée. Le gardien le sait peut-être. Tous ceux qui sont expulsés dans les Badlands passent par lui. Ok, bah allons parler au gardien. D'accord, descendre dans les bas-fonds. Je me disais aussi, mince. Voilà, donc j'ai changé mon fusil. J'ai mon fusil de précision, en fait. Je l'ai changé pour un peu moins puissant que le Veuve, mais avec un peu plus de balles dedans. Voilà, donc celui-ci fait 421 de dégâts, le Veuve en fait 630, plus de 700, quoi. Donc voilà, ça fait toujours ça fait le café, mais bon. Du coup, j'ai changé, j'ai pris celui-là. Voilà, le reste, c'est toujours pareil. Hein. On est resté sur le bon vieux matos, et je me suis fait une armure que vous allez voir. Donc ça m'a coûté cher en points, ça m'a coûté cher en camelot. Mais voilà, la superbe armure, chers amis. L'armure de Renaissance Reliquat. Voilà, donc nous voilà dans les bas-fonds. Tiens, il y a l'iridium ici que j'avais pas ramassé. Donc apparemment on a des marqueurs de quêtes, donc c'est très probablement des quêtes qu'on a finies et qu'on va vouloir aller récupérer. Donc tant qu'on est là, autant en profiter. Qu'est-ce que tu veux toi ? C'est vous le gros bonnet de l'initiative, non ? Ouais, ça dépend. Peut-être, peut-être pas. Je vous dois des crédits ? Ah, vous êtes un malin vous. Disons que je me fais plus d'illusions sur les exilés. On peut faire confiance à personne ici. Un couteau dans le dos est bien vite arrivé. Ouais, vous m'avez l'air d'être une sacrée brochette de... Ne vous mérite pas. On est d'accord. Les hors-la-loi manquent pas de créativité. Je parie qu'un finot comme vous pourrait apprendre des trucs en examinant notre... matos. Vous devriez jeter un œil à la technologie ou aux matériaux des hors-la-loi. Ça pourrait vous être utile. Rappelez-vous qui vous a filé ce tuyau. Mmh. Arme dehors la loi. Bah écoute, pourquoi pas. C'était pas elle le point d'intérêt ? Ah non, le point d'intérêt il est bien loin en fait. Ok. Chambre particulière est maintenant occupée, vous allez devoir trouver un nouvel endroit pour faire la sieste. Apportez à monsieur tout ce qu'il demande, la note est au nom de Vidal. Oh. Cassandra Werner. Désolé, si c'est une danse qui vous intéresse, j'ai fini ma journée. D'accord. C'est comment les bas-fonds ? Qu'est-ce que ça fait de passer son temps ici ? C'est mieux que là d'où je viens. Je devais m'éloigner de ma famille de fous dans la Voie Lactée. Mon frère Conrad a pas toute sa dose des os, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mais maintenant que je suis ici, je m'éclate. Je voudrais ressembler à Sloane Kelly. Son caractère, sa façon de parler. Et, mais vous avez embarqué... Hey, Conrad, pèse ma bague, lèche-moi les bottes et oublie pas mon cul. Je veux bosser pour elle et tout apprendre. Ensuite, j'appellerai mon frère Conrad et je lui dirai... T'as vu, abruti ? T'es pas le seul de la famille à traîner avec des gens célèbres. Mmh. Oh, bonne chance. Super, le rêve. Continue à rêver, écoute.
Eh ben. Ils ont des têtes, les mecs. Ok. On va continuer. Oh, un terminal. Merci pour le terminal, Jean. Vous êtes un roi parmi les hommes, comme toujours. Un roi parmi les hommes, faut pas exagérer. C'est pas comme si je vous les avais fait à l'œil. Mais de rien, quand même. Votre réputation dans le port. Mais c'est un homme capable de tenir et de livrer rapidement des objets. Ok. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. D'accord. Ok. Le mec, il fait ses magouilles, tranquille. Ryder, ravi de vous voir. Ouais. J'imagine que vous avez entendu parler des meurtres. Ouais, un peu, ouais. Encore frais devant le Trala. Certains habitants disent que c'est l'œuvre du charlatan. Je n'y crois pas. Le charlatan est discret, prudent. Celui ou celle qui a fait ça voulait faire du bruit. Faire passer un message. Mais à qui ? À celle qui commande. Le tueur pourrait être mécontent de Sloane et de sa gestion du pouvoir. Moins d'un tiers des victimes étaient membres des insurgés. Non. Si je devais parier, je miserais sur les Rohekar. Que viendraient faire des Rohekar à Porcadara ? Cette ville a été bâtie par les Angara. Et jusqu'à l'arrivée de Sloane, il la dirigeait également. Ah ! Je crois que les Rohekar sont venus chercher de nouvelles recrues et que ça a dégénéré. Et les victimes Angara ? Comment vous les expliquez ? J'ai mené mon enquête. Tous les Angara morts soutenaient ouvertement la Voie Lactée. Donc les victimes étaient soit originaires de la Voie Lactée, soit des sympathisants. C'est le seul lien que j'ai trouvé. Ça pourrait se tenir. Ça me paraît tiré par les cheveux. La Résistance a dit la même chose. Si seulement j'avais l'équipement nécessaire pour le prouver. C'est là que j'interviens, c'est ça ? J'aurais besoin de votre intelligence artificielle pour trouver des preuves qui pourraient mettre en cause les Rohekar. Les gens ont peur, Ryder. C'est l'occasion pour vous de vous faire des amis à Porcadara. Ok. Me voilà donc enquêteur. Ma liste de titres n'arrête pas de s'allonger. Je vais pouvoir ajouter enquêteur maintenant. Les enquêteurs trouvent des choses. Vous, vous êtes plutôt... Un pionnier, ouais, j'ai compris. La scène des crimes n'est pas très loin d'ici. Appelez-moi quand vous y serez. Ok. Donc ça, c'est fait. On va aller voir Nakamoto aussi. Ah oh, d'accord, c'est des danseuses, elles dansent derrière des cages. Elles ont toutes la même tenue. Qu'est-ce que c'est ici ? Kian. C'est quoi votre poison ? Vous parlez d'alcool, hein ? Normalement, j'aurais pas demandé, mais... Il vaut mieux demander sur Kadara, avec l'eau toxique et les meurtriers. Mais là, c'est juste une expression. Ok. Oh, c'est dégueu. Comment vous pouvez boire ce truc ? Je vous offre le premier. Vous avez meilleure réputation que ma clientèle habituelle. Ok, alors, la vie après Nexus, mon gars, c'est comme t'espérais, hein ? Oh, c'était fabuleux. Une énorme fiesta entre mutins. Votre sens du sarcasme a survécu au voyage. Vous voulez que je vous dise quoi ? C'était la merde. Manque de matériel, nulle part où aller. Kadara, c'est le paradis en comparaison. Même avec cette eau pourrie. Vous n'avez pas trop d'ennuis avec les insurgés ou le collectif ? Pas vraiment. Ils ont tendance à s'entretuer dans des endroits isolés, à l'abri des regards. Ouais. Ça ne durera pas éternellement. Un seul faux pas et ça va très vite partir en vrille. C'est sûr. Vous ferez quoi dans ce cas ? Je barricaderai mon bar et je resterai planqué jusqu'à ce que ça se calme. Ouais, bonne idée. La déco du bar est sympa. Le décor de votre bar est plutôt singulier. Ces cages n'ont pas l'air d'être juste là pour décorer. C'est autant pour votre protection que la nôtre. Croyez-moi, mes employés se défendent très bien tout seuls.
Vous avez eu des problèmes alors ? Les hors-la-loi et les pirates sont pas réputés pour leur savoir-vivre. Ouais, c'est sûr. Ils ont un peu chahuteur et ont perdu des doigts. Oh, arrête pas les balles, mais au moins ça les dissuade d'utiliser les poings. Ouais, c'est sûr. Bah merci. Allez. Je vous laisse travailler. Ciao. On sert jamais assez de verre. Ouais, bah. Oh, tu danses Ah ouais, quel style. Quel style, hein. Moi je dis, ça valait le coup de voir ça. Scott Ryder en train de danser. C'est chouquet. C'est choupinou à souhait. Bah ça va les mecs, ils ont de l'uranium au plein milieu de leur camp, ça les gêne pas trop. Peut-être dans le futur on sera immunisé aux radiations d'uranium. Allez vous en savoir. Vous voyez pas que cette saleté le tue à petit feu ? Vous vendez de l'oblivion ici ? Les nouvelles vont vite. Le doc a encore du moufeté. Non, pas du tout. Quel docteur ? Ouais. Si Ryota a un peu de jugeote, il la fermera. Bon, de toute façon, nous, on cherchait à monter. Voilà. Ok, par là. Ouais, c'est plus rapide que l'ascenseur. Et surtout plus pratique. Bonne nouvelle, docteur. J'ai votre formule. Ouais, et je vais te la mettre... Ce que ça représente pour moi. Votre ancienne collègue, le docteur Farrent, m'a soutenu qu'elle vous avait aidé à créer l'oblivion et que vous cherchiez bien à obtenir une drogue. C'est n'importe quoi. Arena n'est même pas docteur. Je m'en doutais. Votre parole m'a semblé plus sincère. Ouais, j'en suis pas sûr. Je ne l'oublierai pas. Pionnier, Reyes a toujours besoin de votre aide pour enquêter sur les meurtres de Port Kadara. Ouais, bah c'est bien. Il est quand même pas aux pièces, non ? On a toujours le temps de looter. Toujours. Oh ! Des marchandises pas croyables. T'as quoi de pas croyable ? T'as que de la bouse. Non mais j'ai pas acheté de munitions cryo, je voulais... Oui, ok. Non, j'ai vendu mes objets. C'est bien ça. Nouvelle entrée, la clinique est enfin prête à ouvrir ses portes. Enfin, clinique est un bien grand mot, c'est un conteneur que j'ai récupéré, je n'ai pas de crédit parce que pas de matériel. C'est l'endroit parfait pour me racheter. Oh, le mec qui s'est racheté une conscience, en fait. Nouvelle entrée, il y a un squat à Oblivion au coin de la rue. J'ai eu la stupidité d'essayer de convaincre les gardes de diminuer les doses qu'ils distribuaient. Ça m'a valu un coup de poing dans l'estomac. J'espère qu'ils ne vont pas encore s'en prendre à la clinique. J'ai assez de mal à la garder sur pied comme ça. Ce matin, j'ai découvert que quelqu'un m'avait envoyé des crédits sur mon Omnitech. Je pense qu'il s'agit du même donateur mystérieux qui dépose du matériel devant ma clinique. J'ai demandé à Kian, le matériel, le tenancier du Tartarus, s'il avait une idée de qui pouvait bien être mon bienfaiteur. Il pense qu'il s'agit du charlatan. Il semblerait que le collectif ait pour habitude de faire des cadeaux aux recrues potentielles. Je n'ai aucune intention de me joindre à eux. Je n'ai pas quitté la bande de Sloan pour en intégrer une autre. Malheureusement, je ne suis pas non plus en position de refuser leur matériel. Tant qu'ils continueront de m'en fournir, je m'en servirai. Ouais, il a raison, le gars. Moi, je m'en servirai aussi, hein. Sans pitié, mon gars. J'ai trouvé un nouveau vaisseau. Une nouvelle maquette de vaisseau pour mettre dans ma chambre.
Ok, qu'est-ce qu'on a par là-bas? Un conteneur, ok. Un transmetteur Asari. T'es gentil, mais tu peux éviter de te téléporter dans ma face, s'il te plaît? Ah 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 ah. Revêtement en polymère sous. Parfait. Parfait, parfait, du loot, du loot. Bon, on va dire qu'on va faire confiance au docteur. Par contre, si jamais je découvre par la suite que ils vont de l'oblivion, je serai obligé de venir le buter. Oh, il y a un mec mort ici. Dolaneros, l'exilé m'a enlevé contre mon gré sur le Nexus quand j'ai refusé de coopérer. Et sa bande m'ont tabassé, ils m'ont abandonné à mon sort, j'ai aucun moyen de contacter le Kaljetin. J'espère que mes amis du Nexus vont s'en sortir. Ces exilés sont vraiment des pourritures. Sanjeev Clément, quelle fin atroce. 2 à 3 mois. Oh bah putain, l'ADN indique qu'il s'agit de cause du décès, hémorragie interne consécutive à un choc violent. Ça fait 3 mois qu'il est là, le gars. Ouais, bah. Il est où ce point? Comment ça alors? J'avais pas un point d'exclamation dans le coin? Il a disparu. D'accord. Oh, il est toujours là, pourtant. Tiens, ça. Bon, ça y est, puis ça rentre, ça. D'accord, c'est Derk. On va investir dans la barite. M. C'est qui ce M? T'as un truc que tu veux, toi? Ça dépend. Seulement si c'est légal. Bien sûr. Vous le savez peut-être, le commerce le plus juteux sur Kadara est basé sur la ferraille et les ressources volées au Nexus. Mais ce puits commence à se tarir. Je ne volerai pas pour vous. Ce n'est pas mon but. Je me concentre sur les ressources originaires d'Andromède. Je sais de source sûre qu'il y a un gros dépôt de barite dans les drôliers. Bah tiens. Sans blague. J'ai envoyé un géomètre repérer les lieux, mais il n'est pas revenu. Tout ce que je veux, c'est avoir l'esprit tranquille. Bon, je vais aller voir ça, mais je te garantis pas que je te donnerai la réponse. Merci beaucoup. C'est juste pour vérifier qu'il est toujours vivant, le gars. Ok. Ok, bon, on va aller s'occuper de cette histoire de meurtre, mais dès demain. Voilà. Question d'Eleus. Kadara. Dans la gueule du loup, parler aux gardiens. Se rendre sur la scène du crime. Voilà. Voilà, et donc sur ce, eh bien, il est temps de se quitter, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis et vos petits conseils dans la zone de commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures.